Vous êtes à la recherche d'une machine de mise sous vide en 2024 pour pouvoir mettre, pouvoir conserver vos aliments très facilement ou tout simplement, je ne sais pas, si vous avez des restes, pouvoir les conserver, les mettre au congélateur sans aucun risque alimentaire. C'est pour ça que chez Gooddiz, on allait sur Amazon et on vous a sélectionné 3 machines de mise sous vide qu'on a classées par ordre de prix croissant dans ce comparatif. C'est-à-dire que vous aurez la moins chère en début de vidéo et la plus chère en fin de vidéo. Évidemment, si vous souhaitez vous procurer l'un des articles que je vais vous présenter dans la vidéo, je vous ai mis tous les liens en description vous permettant de pouvoir les acheter dès maintenant. Ce qui a été notre principal critère de recherche, évidemment, ça a été les retours clients. Elles font toutes minimum 4 étoiles sur 5. On commence donc ce comparatif avec la Fresco. C'est une machine automatique qui vous propose de mettre sous vide tout un tas de choses. Effectivement, elle est fournie avec 10 sacs directement dans le kit. Évidemment, on vous invite à acheter des sacs à côté. Elle est très compacte puisqu'elle fait 37,1 par 17,5 par 7,9 cm. Très légère, un poids d'1,60 kg. Donc c'est plutôt top. On est sur quelque chose de vraiment qui ne va pas prendre énormément de place, qui est très facile à ranger. Ça ne va pas être quelque chose qui va vraiment prendre beaucoup de place sur votre plan de travail pour vous permettre vraiment d'avoir quelque chose de pratique et de peu encombrant. On est sur une utilisation très simple puisqu'il suffit de mettre le sac dans la machine. La machine à vide, elle détectera automatiquement le pompage humide et sec et terminera le travail vraiment, vraiment facilement. Elle est proposée avec des boutons tactiles comme le bouton Seal, Access et Cancel qui vous permettent ainsi, couplé avec son indicateur LED, de l'utiliser vraiment très facilement. On est vraiment sur une utilisation basique, vous avez juste à mettre le sac, appuyer sur le bouton pour sceller et tout se fera automatiquement. On est vraiment sur une machine qui est très simpliste. On est sur une note produit de 4,4 étoiles pour 3300 évaluations. Plus d'une cinquantaine ont été achetées au cours du mois dernier à un prix autour de 46 €. Donc ça reste déjà un petit budget, mais concrètement ça peut permettre de conserver vos aliments plus longtemps et d'éviter le gaspillage alimentaire. En deuxième position, on vous a sélectionné la machine de mise sous vide de chez Homecane. Celle-ci, donc elle fait le même poids, autour d'1,5 kg. On va être sur une aspiration puissante qui peut aller jusqu'à 80 kPa. On est sur une machine aussi avec une utilisation aussi classique. Elle n'a pas de bouton tactile, on est sur des boutons poussoirs un peu classiques qui vous permettront de faire tout un tas de choses, l'allumer directement. Elle ne propose pas de programme automatique comme la précédente, donc attention, là vous devrez bien préciser si vous avez quelque chose de sec, si vous voulez juste sceller, si vous voulez que ça soit manuel, ce genre de choses. Là on a un peu plus de boutons que la précédente parce que celle-ci n'est pas 100% automatique. On va être sur une utilisation aussi très très basique. Elle est très bien notée puisqu'elle est notée 4,2 étoiles pour 226 évaluations. Plus de 200 ont été achetés au cours du mois dernier. Elle est fournie évidemment avec des sacs de mise sous vide et un tuyau qui sont inclus. Et elle a un prix autour de 40 €. En ce moment, on a une petite réduc de 20%. De base, elle est autour des 50 €. En première position, on vous a sélectionné la machine de mise sous vide de chez Bonzan Kitchen. Bonzan Kitchen, c'est une marque assez connue pour du matériel vraiment de très bonne qualité. Ça se voit de par les photos que vous voyez à la vidéo. On est sur un produit en acier avec un revêtement imitation acier inoxydable très facilement nettoyable. Elle vous propose des boutons pour vous permettre de surfer entre les différents programmes et ses 6 modes alimentaires. On est sur des dimensions un peu différentes forcément de la première qu'on a présentée. 43 par 12,7 par 27,7 cm, donc quelque chose d'un peu plus compact, une plus grosse capacité quand même de sac et un poids un peu plus lourd. On est sur du matériel qui durera un peu plus longtemps. Là où la précédente était vraiment fait en plastique, celle-ci est vraiment en acier inoxydable de super qualité, donc elle durera forcément plus longtemps. Ça se ressent dans le prix, mais forcément on est sur quelque chose qui est conçu pour durer, là où forcément elle durera bien plus longtemps que la première présentée. On est sur une autre produit de 4,3 étoiles pour 2600 évaluations. Plus de 400 ont été achetés au cours du mois dernier, donc concrètement, c'est un produit qui a convaincu pas mal de personnes, même s'il est un peu plus cher que celle qu'on vous a présentée, puisqu'elle est à 70 €, là où la toute première, je le rappelle, était autour des 46 €. C'est ainsi que ce comparatif sur les 3 meilleures machines de mise sous vide de 2024 s'achève. Comme d'habitude, on vous a sélectionné les meilleurs produits avec les meilleurs rapports qualité-prix. Si vous souhaitez vous informer sur l'un des articles présentés et profiter des super prix de Gooddiz, je vous rappelle que l'ensemble des liens sont disponibles en description. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à la liker et à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à la prochaine. C'était Gooddiz. Bye bye.